Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Eh bien, c'est un immense réel plaisir pour que nous capables de rejoindre encore sur la plateforme Sikovida Faniel, au point nous va continuer à parler de ça qui fait actualité. Bon, avant de commencer, nous voulons prendre un petit temps pour nous remercier vous-même qui acceptez nous entrer dans écran télévision, la caillou, smartphone, tablette, laptop, eh ben desktop. Téléphone, tout ça, eh ben, nous sentons nous contents. Et on va continuer à partager vidéo, nous, yo, pour que plus de monde capable de gagner accès à ce genre d'informations sérieuses. Nous voulons dire que nous pas croire dans vos émotions. Et j'en pile monde penser, j'en pile monde faire et quoi. Mais nous pas croire dans vos émotions parce que nous, là, pour nous capables éclaircir et même éclairer peuple haïtien, dans ce qui a passé, surtout en République dominicaine, et pourquoi pas dans d'autres pays comme les États-Unis, Chili, Brésil, Canada, etc. Mais les nouvelles d'Haïti, ils sont toujours intéressants. Et nous voulons rappeler autour que 19 Capvin là, c'est final, c'est jour que nous-mêmes n'avons compté pour nous bailler gagnant 100 dollars américains dans challenge Sikovida. Hein? D'ailleurs, il a fini 18 et puis 19, on a fait un live à partir de 8 heures. Non, à souhait, pas raté, parce qu'on pas j'aime comme si c'est pas au gagnant. Et puis finalement, après live là, dans fin live là, on a baillé l'autre cadeau, une prime de consolation. Prime de consolation, ça, monde qui va le bénéficier, c'est monde qui participait dans live là. Moi, je voulais nous clair sur ça. M'a ban nou yon surprise, un lot cadeau, même pas di ki sa liye, et ben nan moun ki participe nan live la, et ben m'a fait cadeau, yon gren moun ap gen chance pou kapab genye ankon. Et c'est pas fab, 100 dollars américains li déjà là. Gen moun ki di est-ce que ap bay livre, ben 100 dollars, 100 dollars américains, c'est. Bon, nous connaissons société nous, parfois, gen moun ki toujours bay menti, mais si COVID a pas fait ça. J'en ai annoncé dans le titre là, c'est que jeudi, il y a un bagage qui passait. Et moi, fini par découvrir que la République dominicaine n'a pas décidé bail haïtien document. Et ça m'a dit là, et moi, j'ai un argument pour lui. Et seul bagage que moi, j'ai travaillé, y a un enregistrement qui n'est pas arrivé à réaliser, t'es gagné un problème logistique. Et puis finalement, moi perdu enregistrement. L'ENAP garde situation haïtienne en République dominicaine. Il y a un plan national de régularisation qui te prend naissance en 2014. Et puis qui rivait jusqu'à 2020. 2016, il était expiré. Finalement, en 2017, ils ont décidé quitter le tout expiré, puis en 2018, ils ont renouvelé, et bien qui finit en 2020 là. En pile monde, par rapport à document ça, ils ont considéré que c'était illégal. Mais quoique enregistré dans le système migratoire, ça fait qu'ils n'ont pas qu'à apprendre pour voyez où aller. Mais je comprends. Moi, j'ai une communication avec un représentant dans l'immigration, je dis, hein, moi, j'ai tiré Léo. Et pour moi poser aux questions concernant numéro 1, monde qui te gagne une carte blanche, qui est pas arrivé bénéficier plan, pour une raison quelconque. Yo dis moi, moun sa, moun gens de moun sa, yo pral gagner pour écrire une lettre à directeur de l'immigration, hein, pour yo expliquer ka, pour yo dire, mais pour qui raison que fait yo pas arriver bénéficier plan, si c'est parce que n'a pas de soutien, ou bien si c'est parce que yo pas là. Et puis, yo pral évaluer ka. D'après sa représentant, fait me connaît, yo pral évaluer ka, pour yo, ouais, est-ce que, qui s'est passé, qui ça yo ka fait pour moun sa yo. M'a parlé pour moun qui te gagne reçu, nan men yo ki pa de jam, arriver bénéficier, Plan national de régularisation des étrangers en République dominicaine. Là, vous êtes clair. Deuxième question que moi posée, et me regrette infiniment, et vous se la supprimer. Bon. Deuxième question que moi t'ai posée, moi dis,
qui ça a passé pour monde qui gagne plus de 4 mois, il fait application de pour cap renouveler document, il pour que j'aime répondre online. Et qui ça répond moi? Il dit que moi dit comme ça, moi passé en vitesse supérieure sur lui, moi dit bon, moi déposé depuis 4 mois, depuis mois août. Mon pas j'aime répondre qui ça passé. Représentant fait me connaît si c'est 4 mois gagné, eh ben c'est dans mois septembre que moi déposé. Bah moi si on information te besoin tout dit oui. Finalement il dit pour le moment moun y a pris mettre document yo. C'est moun qui t'est déposé dans mois d'août. Mois d'août c'est mois août. M'veux nous comprendre ça, m'veux nous comprendre phénomène ça. Et j'aime te dire nous hein, gagner quelques moun que m'était appliqué pour yo en réalité qui joignent document. Ça me comprendre ça. Mais c'est moun depuis mois juillet, voyez, mois juin, mois août. Qu'on y a pour le fond excuse devant, il dit non, moun septembre, octobre, novembre, décembre, non pour travailler moun ça yo, c'est moun qui t'est déposé dans mois août, c'est avec qui on a travail. Bon. C'était la réponse du représentant de la Direction générale de l'immigration en République dominicaine. Mes chers amis, moi senti moi pas content, mais allez pour me poser l'autre question, il dit si c'est concernant plan, pas même besoin continuer à poser question. Mais par rapport à Jean Palé avait me senti en tant que représentant t'as de Gonti Jean-Pi. Vous voyez, il t'a de gonti Jean-Pi maléable, il n'est pas trop trop violent comme ça, hein. Bon, malheureusement, c'était ainsi. Et il fait me connaître avec mon mois août. Ça veut dire, il y a un monde qui déposait de septembre jusqu'à décembre, ou mettre, faut que vous gagnez patience, en pile patience, parce que, immigration par livrer documents rapide. Yo dim, c'est moun mois août kounya la que yo ap travail avec li. C'est information ça que mwen tal deye pour nous et mwen chercher alors et moyen mwen tout alors numéro immigration li sur tout internet ou capable prendre pour rele et comme ça tout si ou vle m ka mete numéro immigration pour numéro immigration apparaît en bas dans pantalla là dans écran. N'après moi marqué DGM, ça est Direction générale d'immigration et puis finalement numéro ça c'est numéro immigration. Là où est l'immigration, il pourra le barou yon alors normalement il y a un robocall qui pourra dire sous besoin tel bagay, cliquez tel numéro. Tout ça audio yo, eh ben pour assister par yon agent PZ2 finalement. Et on dit l'autre bagarre encore, et puis finalement, vous pourrez assister PZ0. Ou PZ0, ou retourne pour y recevoir. Ou pas besoin de désespérer, ni décourager, ni fâcher. Puis, m'a conseillé, nous, les que nous relais dans la Direction générale de migration, pas parler l'aide ensemble avec mon yo, parce que agent yo en réalité, quoi que y ait des agents racistes, mais yo pas gagné un lien pour eux ensemble avec, et question document. Parce que l'orelé dans l'immigration, c'est un call center qui recevra message là, ça n'a relé, un groupe de monde qui l'a pour recevoir d'oléance et dans tout type de département en dans Direction générale de l'immigration. Numéro, ça n'a pas gardé en bas. C'est numéro immigration, nous capables de relil pour nous poser question, doute que nous gagnons avec sagesse et puis travail espagnol ou tout travail question pour que vous pas mettez agent dans un dilemme. Si toutefois, on va parler en pile panyol, travail lié, écrit sous papier, ou bien, pour qu'à bien poser question, hein, pour que mon n'a qu'à sentir li bien, pour répondre aux questions. C'est toute information que moi t'ai porté pour nous, concernant plan national de régularisation des étrangers en République dominicaine. Si vous avez aimé, tant mieux, mais si vous n'aimez pas, la vie continue, on se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Pas garder comme un danger. D'après ça, son 7 été enseigné, c'est ça qui a fait vivre longtemps. Bonjour, en aller, au revoir.